Allez, bonjour à toutes et à tous, ici Salandron pour le 30e épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemy Within. 30e épisode, mon dieu, plus long let's play que j'ai jamais fait, et je pense que ça va encore continuer. Je pense qu'on va à peu près atteindre les 40 épisodes, si je meurs pas avant. Pour l'instant c'est plutôt bien parti, même si en ce moment on galère un peu, faudra vraiment que je revoie mes armures. Parce qu'on se... voilà. On sort des missions avec que des blessés, c'était pas très cool. On s'est pris des grosses branlées, mais les fusils plasmiques arrivent. Du coup, voilà, on a des reprises de service. Donc on a les fusils plasmiques. Fusils plasmiques, machin. Alors, fusil de précision plasmique, c'est indispensable. Canon à alliage. Wow. Arme plasmique lourde. Il faut que je fasse tout ça. On va faire le fusil de précision plasmique. Indispensable. Alors ça coûte combien d'ailleurs les équipements plasmiques? Ouh, oh la vache, la vache, ça coûte vraiment très 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 cher. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas vendre quelques petits trucs? On a des fusils de précision laser, des armes laser lourdes. Alors lance-roquettes, on a déjà des lance-roquettes. Alors je vais peut-être voir si on peut pas équiper ces équipements-là sur nos gars. Parce que ça pourrait être très intéressant, genre les grenadiers s'ils pouvaient avoir des équipements laser. Parce que pour l'instant ils me servent absolument à rien. Bon, j'ai gagné un. C'est pas génial, mais c'est pas très grave. Ok, des reprises de service, attention. L'agent Exalt, rescapé, nous a fourni des informations sur le placement du véhicule de transport manquant. Et il était moins une. Il semble que les aliens aient coincé le camion sur un barrage dans le sud de la France. Ok, d'accord. On a qui? On a notre sniper, on a notre CEM. On a notre commando. Un deuxième commando. Ah ouais, par contre, on n'a pas de... On n'a pas de sapeur. Surtout que vu la gueule de mon sapeur. Il va falloir... Alors, on va garder ce grenadier là. Toi, modifié, on va récupérer le medikit. On va te retirer. Et on va ajouter un sapeur. C'est toujours important les sapeurs. Même si t'en auras qu'une. Ah, attends. Oh la vache, ça va pas être génial. Du coup, on va te mettre... C'est quoi la différence entre les deux? 4-6, 10% de critique, dégâts critiques 8-10. 4-6, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Du coup, on va équiper les nôtres. On va modifier ton armure. Une carapace. Donc là on est pas mal. Deux commandos. Alors attendez, je vais juste vérifier. Toi tu peux porter deux grenades, ouais c'est pas mal. Donc est-ce qu'on a un grenadier? Oui on a un grenadier. Est-ce que je peux pas équiper autre chose? Voilà, une arme laser. Une arme laser lourde, 5-7, c'est pas mal. C'est même très très bien. Du coup, je pense qu'on va partir avec ça. On va peut-être t'équiper avec une... avec un medikit, un second medikit, histoire tranquille. Allez, on y va. Allez, go, direction le sud de la France, du côté de Marseille, tout ça. Sécuriser le barrage par tous les moyens, trouver et sécuriser le convoi et son chargement. Ok, ça va me rapporter 100, ce qui serait très très utile pour faire les équipements plasmiques. Qu'est-ce que je fais? Soit je fais les armures tout de suite... Oula, il est tout pété le barrage. Il semble tour restant 6. Alors qu'il tentait de traverser ce barrage. À voir les dégâts, les extraterrestres ont dû mitrailler toute la zone pour ralentir le camion. S'ils tiennent tant que ça à ce qu'ils renferment, j'ose à
peine imaginer jusqu'où ils sont prêts à aller pour le récupérer. Ce barrage est en piteux état. Il va falloir faire vite si nous voulons mettre la main sur le camion avant eux. 6 tours, ils sont sérieux les mecs. D'accord, il y a ça pour fermer les vannes. Ok, on va attendre. On va attendre. Enfin, on va attendre. Façon de parler, on va essayer d'avancer. Je crois que j'ai pas sniper en plus. Je sens que ça va être une mission compliquée. C'est tout ce que t'as comme PV toi ? Ouais, tu vas rester bien à l'arrière. Parce que tu te prends un coup ou deux, c'est fini. J'y vais. Alors, notre fusil de précision, on a quand même un sniper, c'est pas mal. Alors toi, ce qu'on va faire, tu vas nous faire une fusillade. Tu vas filer vers la pompe, comme ça au prochain tour, tu t'en occupes. Sérieusement endommagé, mais nous devrions pouvoir repousser son effondrement. Il y a une autre vanne ici sur le chemin menant au transport. Commandant, un vaisseau ennemi approche de la position de Strike One. Oula, il semblerait que les extraterrestres envoient des renforts. Bon, on a un tir réflexe sur celui-là qui va se faire défoncer. Voilà, c'est bon, pas obligé de t'en tirer. Maximum 7. Un petit tir de... Un petit tir à la tête. Oh. Elle peut pas retirer. Ah bah non. 21, c'est tout. Juste envoyer une grenade. Zut, j'aurais dû avancer. J'aurais dû avancer. Du coup, on va peut-être envoyer notre sapeur plutôt. Allez, Phil, va chercher la vanne. Ok, on va activer la... Oh non! Ok, je suis un gros abruti, je pensais qu'on pouvait l'activer de ce côté-là. Mais non. Vigilance. Toi tu te mets là, vigilance. Faut qu'on accélère la cadence. Alors oui, la bagnole explose. Aïe, à mon tour. Alors est-ce que tu peux pas monter ? Yes, donc on voit une vanne. Cette vanne est grande ouverte. Mais nous devons toujours mettre la main sur le camion avant qu'il ne soit trop tard. J'y vais. Cible détectée. Oh oh, deux allumettes. C'est pas mal 69. Allez boum, plus d'allumettes. Je m'en suis occupé. Position confirmée. Alors on avance. Ok, tu vois pas la seconde allumette, c'est pas très grave. Je suis en route. Toi tu vas avancer aussi. Toi tu vas monter là-haut. T'occuper de la vanne. Et haut. Cette vanne est ouverte. Voilà. Mais il nous reste du travail. Continuez, Strike One. Oula. Des drôles de trucs là en dessous. Je crois que les extraterrestres alors des renforts, commandant. Raté, c'est bien. Ma position est compromise. Capteur réactif, allez boum. Yes, 10. Pou pou pou. Ok, on a 2-3 renforts.
Lol. Raté. Ok. Il y a juste le mecha qui va un peu m'embêter. Bon, par contre, à 100% pour tout le monde, ça va être assez magique. Zut. J'aurais pas dû faire ça. Alors toi, tu vas faire celui-là. J'aurais pas dû faire ça. En fait, j'aurais dû m'occuper de tous les... les petits trucs à côté. Les petits sectoïdes. Comme ça, j'aurais été tranquille. Parce que je peux tirer... Si je tue un ennemi, ça compte pas comme une action. Enfin, en tout cas, je peux retirer derrière. Avec le fusil de précision. Du coup, j'aurais pu enchaîner les trois sectoïdes et tirer sur le... sur le mectoïde. Du coup, j'ai les boules. Alors... tu vois rien d'autre? Tu peux pas tirer? Tu vas avancer. Quoi, il y avait un... aïe, 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 aïe. Je me souvenais pas qu'il était en... en vigilance. Quoi, ils sont tous en vigilance? Ok, il va me falloir un heal tout de suite. Un gros gros heal. Alors là, faut réfléchir. Parce qu'on a le laser diffusant. 56, tu me fais deux tirs. 1. Bon. 1, c'est pas mal. Du coup, ce qu'on va faire, hop. On va s'approcher avec lui, même si ça fait un peu peur. Zut, est-ce que j'ai bien visé? Oui, j'ai bien visé. Toi, tu vas t'approcher. Un joli petit corps à corps, presque. 92, tu me le loupes pas. Hein. Voilà. Donc, on va pouvoir avancer. On a une vanne. C'est long comment? Ah oui, c'est quand même sacrément long. Il y a moyen que ça se tatane bien encore. Allez, descends. Toi, avance. Toi aussi. Petite vigilance. Toi, t'avances à coup de fusillade, ça peut être pas mal. Comme ça, tu pourras te mettre en vigilance. Toc. Alors, toi, tu vas avancer ici. Pas grave si t'as pas ta vigilance. Toi, tu vas te mettre à côté d'elle. Tu vas la healer. 6 PV. C'est pas autant que ce que j'espérais, mais c'est déjà pas mal. Ok, pas de problème. Alors, est-ce que je pourrais me mettre sur ce camion? Ça va être la grande question. Ok, toi tu vas t'installer par là, t'es pas mal. On va récupérer un tour supplémentaire grâce à la vanne. Il y en a une autre en haut. Toc. Toi t'avances. Toi tu vas te mettre là, tu vas activer la vanne. Bien joué Strike One. Ça devrait nous laisser assez de temps pour atteindre le camion. Et on va l'envoyer là-haut, activer la seconde vanne. Ennemi en approche, commandant. Ennemi en approche. Qu'est-ce qui en approche? Ok, un mectoïde qui va prendre très 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 cher. Et un sectoïde qu'on sait pas trop ce qu'il faut là parce qu'il va prendre super cher.
Ok, on a eu le mectoïde. Tranquillou. 100 ou le 99? De toute façon, je vais faire les deux. Alors, le premier sectoïde, c'est bon. Et le deuxième. C'est bon aussi. Tu recharges. C'est vraiment des bêtes de compétition, les snipers, quand même. Une fois EP. Ok, ça c'est bon, deux petites allumettes. Si vous pourriez rester ensemble. Est-ce que vous êtes... Ah, je crois que vous êtes un poil trop loin. Oh, oh, attention. Oh, désolé, il y a mon... Ah si, je crois que vous êtes pile au bon endroit. Il y a mon portable qui a sonné. Poup. Yes, les deux. Mais c'est magnifiquement joué tout ça. Ouais, laisse-moi la possibilité de jouer. Ah zut, t'as plus le... Le tir rapide. Mais pourquoi il n'y a que les sprints? Je veux voir afficher les deux, moi. C'est très gaspillé. Voilà. Toi, tu vas avancer doucement parce que t'as plus des masses de points de vie. Ok, le camion a l'air d'être par là-bas. Toi, tu vas courir vers la vanne. De toute façon, là, j'ai éliminé tout le beau monde qu'il y avait. Voilà, il n'y a même plus personne. Et je comptais recharger, mais faut croire que je l'ai pas fait. Tu vas nous faire une fusillade. Te mettre à côté de la vanne, sachant que je me suis planté. Évidemment. Je me suis joliment planté au niveau de l'emplacement. Il faudrait que je recharge à un moment. J'ai beau avoir le double de munitions. Faut que je sois prêt quand même. Alors toi tu vas monter. T'occuper de la vanne. La pression sur le barrage. Voilà. Continuez comme ça. Nickel. Commandant, d'autres ennemis arrivent dans la zone. Bon ça va, j'ai pas mis tout le monde en vigilance, mais au moins ils se tombent en plein milieu. Allez. Boum, moins un. Toc. Petite gâchette rapide. Hein. Ah, dommage. De quoi tu le vois pas? Ok, on va avancer. De toute façon, je crois qu'il est en vigilance, mais on a les réflexes éclairs avec notre commando. C'est très pratique les réflexes éclairs, ça fait tomber les... Quoi, tu le vois pas? C'est grave quand même. Alors, ça m'embête de faire ça. Ça va tout faire exploser. On va d'abord déplacer notre sniper. Ok, on voit vraiment à un angle tout pourri. Position confirmée. Ah, si, tu le vois toi quand même. 69. Voilà, éviter de gâcher les grenades, même si c'est pas très puissant. Ça peut me sauver la mise. Pas du tout en couverture toi. J'ai fait une grosse connerie. Hop. Reviens là. Alors, notre fusil de précision. On avance. Ça me fait laguer le paquet de flotte. Tout de suite. Toutes les vannes sont ouvertes. Voilà. Bon travail, Strike One. Rejoignez ce camion et récupérez cette arme.
Ça fait 20 minutes, mais on va d'abord aller chercher le camion. On y est presque là. Je crois que c'est notre cible. Allez récupérer cette arme avant que tout l'endroit ne s'effondre. Nouvel objectif reçu. Toc. Je suis en route. On va approcher le véhicule. On va y aller un peu doucement. Je suis en route. Parce qu'on va avoir un joli comité d'accueil, je sens bien. Tout de suite. Moi je me mets pas à couvert, c'est pas très grave parce que là, ils sont tous en vigilance. Ouais, c'est ça. Oh, sectoïde, c'est bon. Un second sectoïde, c'est bon aussi. Non, vous auriez pas pu tout garder pour le mectoïde quand même. Ah oui, un deuxième mectoïde. Ok, ça c'était pas trop prévu non plus. Alors. Tire la tête. Tu me fais un joli coup critique. J'ai dit un coup critique. Alors toi, normalement, t'as le... Putain, ça fait laguer, il faut vite que je me décale la caméra. T'as les réflexes éclairs. Allez, go. Ah non, si c'est sur le sectoïde, ça va pas aller. Aïe, 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 aïe. Sectoïde de mes deux, là. Voilà, évidemment, ce que je voulais pas... Vache. Tu te reprends pas un coup, hein. Gâchette rapide. Deux tirs successifs. 4. Plus. Oh la vache, la vache, la vache, la vache, la vache. 88, 100, 85. 100. 9. C'est pas mal. En plus, tu peux refaire un tir. 8, c'est bien. Alors, du coup... Là, je me tâte. Toi, il faut que tu fasses le 90. T'as pas le choix. Tu serais capable de vraiment nous embêter, celui-là. Tu peux retirer ? Ok, celui-là c'est bon. Oh là là, ça m'a énervé ce tir réflexe à la noix là. Il a pris super cher. Allez, on va finir la mission. Normalement, il n'y a plus rien. Ouais, c'est ça, il n'y a plus rien, on va pouvoir approcher. Toc. Boum. Je me dirige vers la position. Il y a plus rien. Il y aura plus rien normalement. On est tranquille. Bien, chef. Alors. Oula. Mon dieu, c'est qui? Sauf que vous êtes au fusil laser, ça fait pas ça. Vous ne comprenez pas. Je dois retrouver les autres. Non, vous ne comprenez pas. Vous savez combien d'entre nous ils ont tué? Oula. Vous pouvez les tuer? Mais comment? Pitié, vous devez m'aider à trouver les autres. Vous avez fait du beau. Ok, j'ai pas tout compris.
J'ai vraiment pas tout compris. Bon, je pense qu'on verra ça dans le prochain épisode. Hein. Mais pour l'instant, j'ai rien capiche du tout à cette histoire. C'est qui cette fille? Peut-être qu'elle va nous l'expliquer un jour. Ok, on a un caporal, il y a deux blessés 7 jours. Un caporal, donc c'est notre sapeur, permet de se déplacer de 3 cases. Toc. Voilà, ça c'est bien, tir de couverture. On se calade de sexoïde, c'est bien. Et on a gagné 100. Ok, et ben on arrête là pour cet épisode, hein. C'était un bien intense. Quoi? Annette, elle aura apparemment été remise par l'organisation Exalt. Jusqu'ici, elle ne s'est guère montrée disposée à parler de ce qui l'a menée entre leurs mains, ou de ce qui la rend si précieuse à leurs yeux. Quoi qu'il en soit, il faut la surveiller de près. D'accord. Ok, donc je vais arrêter là cet épisode. On se retrouve dans 3 jours pour la suite de cette aventure. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !